Question piège en orthographe. 5. Quelle lettre manque-t-il dans le verbe « acquiescer » A. Le S. B. Aucune. C. Le X. Cochez la bonne réponse. A. Il faisait froid. B. Il faisait froid. C. Il faisait froid. Corrigez ce participe présent. A. Fatigant. B. Fatigant. C. Fatigant. Cochez la bonne réponse. A. Une session de l'Assemblée nationale. B. Une session de l'Assemblée nationale. Corrigez le premier verbe dans ces paroles de Phèdre à Hippolyte. A. Je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. B. Je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. C. Je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Quel est le genre du nom abîme? A. Masculin. B. Féminin. Cochez la bonne réponse. A. Un canular. B. Un canular. C. Un canular. Cochez la bonne réponse. A. Le cerfeuil sur le cerceuil. B. Le cerfeuil sur le cerceuil. C. Le cerfeuil sur le cerceuil. Quelle lettre manque-t-il dans le verbe « ressusciter » A. Le S. B. Aucune. C. Le X. Cochez la bonne réponse. A. Dégingandé. B. Dégingandé. C. Dégingandé. Cochez la bonne réponse. A. Une sculpture. B. Une sculpture.
Trouver l'erreur dans A. Des hommes bien pensants. B. Des hommes bien pensants. Quelle lettre manque-t-il dans l'expression « plein d'allant » A. Le L. B. Aucune. C. Le S. Écrit-on « centre égorgé » ou « centre égorgé » A. Centre égorgé. B. Centre égorgé. Trouvez l'erreur dans ce titre du livre de Giono. A. Le hussard sur le toit. B. Le hussard sur le toit. Écrit-on quelque chose ou quelque chose? A. Quelque chose. B. Quelque chose. Corrigez le verbe. A. Se hire. B. Cueillir.